Bonjour à tous, alors je suis très content de vous retrouver, c'est l'amicale sportive Mistral Drac, club de judo du quartier Mistral. Donc très content de vous retrouver aujourd'hui, on va refaire une séance, la dernière fois on s'était vu, on avait fait une séance un peu taïso. Donc là on va rester un petit peu dans cette empreinte là, sauf qu'on va rajouter beaucoup d'exercices musculaires et training. Ça sera plus un circuit training aujourd'hui. Voilà, on va commencer par 5 minutes d'échauffement des articulations de tout le corps pour bien mettre le corps en mouvement et bien se réveiller. Et après, on passera sur un circuit training, 30 secondes de travail, 15 secondes de repos entre chaque atelier. Et on enchaînera 15 ateliers différents, voilà, avec du cardio, musculaire, du gainage, travail dynamique, statique. Voilà, donc on va essayer de mettre ça ensemble. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes en forme. Ça va commencer tranquillement avec l'échauffement des articulations. Et après, on va essayer de mettre un petit peu d'intensité. Je compte sur vous. Allez, c'est parti, je vais mettre un petit peu de musique tranquillement. Hop, on va pas mettre trop fort. À cause des droits d'auteur. Allez, c'est parti. On met les mains sur les hanches pour essayer de détendre les cervicales. Et là, on va essayer de faire des mouvements de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, de bas en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On fait toucher l'oreille sur l'épaule, gauche et droite. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On fait des ronds. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, super. On va passer aux épaules. On va faire des mouvements amples ici, des rotations des épaules. Mouvement ample, on relâche bien les bras, on souffle bien à chaque fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ici, on va venir mettre les mains un peu derrière. On va venir ici chercher à sortir sa poitrine vers l'avant et à attirer et tout un petit peu. Mettre les mains en arrière, poitrine en avant. Et on souffle bien. Ça va étirer un petit peu le dos. Mettre en tension un peu le dos, les muscles dorsaux. Et on relâche. Voilà. Là, on va passer au coude. Main en bas, main en haut. Et rotation 1. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pareil de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, très bien, maintenant on va passer au poignet, allez, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Super, on va passer au bassin, aux hanches. Donc là, on va mettre les mains sur les hanches et je vais venir chercher à faire des rotations le plus loin derrière, le plus loin devant, en essayant de garder les pieds bien au sol. 1, 2, 3, 4, 5, hop, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire des rotations ici. Je vais venir chercher, en essayant de garder une posture droite, je vais venir chercher un coup à droite, un coup à gauche. Je vais faire des petites rotations ici. Les pieds ne bougent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Super, donc là on a bien échauffé le bassin. On va pouvoir passer aux adducteurs.
On va faire lever la jambe, hop, rotation arrière, je repose. Hop, rotation arrière, je repose. Rotation arrière, je repose. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5. Jambe gauche, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, maintenant, on va essayer de passer à un petit exercice. Voilà, pour essayer de faire l'angle, de faire les adducteurs. On va essayer de faire mettre un peu attention ici aux jambiers. Donc là, je vais tendre la jambe devant et basculer, hop, et ramener ma jambe ici. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil sur la jambe gauche, avec la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Là ici, les rotations des genoux. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les chevilles pour terminer. 1, 2, 3, 4, 5. En arrière. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre, cheville gauche. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, super. On vient de finir notre partie d'échauffement. Donc là, normalement, tout le corps est à peu près échauffé, mis un peu en mouvement. On peut boire une petite gorgée d'eau. Près de la bouteille, la dernière fois, j'avais oublié, j'avais soif. Donc, maintenant, on va passer sur un petit circuit. Donc, à chaque fois, je vais vous montrer les exercices rapidement. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça peut être bien d'avoir un petit tapis pour ceux qui veulent, pour faire certains exercices, pour les abdos notamment. Voilà. Donc, c'est simple, il va y avoir un timer. Donc, à chaque fois, vous allez entendre bip, bip. Donc, 30 secondes de travail. Chacun va à son rythme. L'idée, c'est que tout le monde puisse faire. Donc, j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai des objectifs sportifs parce que je sais que quand on va reprendre, j'ai des choses à mettre en place par rapport à des compétitions ou à des séances, j'essaie de m'arracher. Et si c'est juste pour garder la forme, m'entretenir, et voilà, je vais tranquillement à mon rythme. Pensez à bien souffler pendant chaque exercice et pensez à chaque fois à avoir des postures correctes pour ne pas vous faire mal. J'essaierai de le rappeler autant que je peux à chaque fois. Voilà, et écoutez, c'est parti. Je vais mettre la playlist, hop. C'est parti, aujourd'hui c'est playlist afro, hein, on est parti dans la thématique. Premier exercice sur lequel on va commencer, ça va être jumping jack, hein, ça va être souple, et après je vais les annoncer à chaque fois. Allez, c'est parti, je mets la musique. Donc premier exercice, jumping jack, ça va être, hop, je monte les mains en haut et j'écarte les jambes. Je vous dis que quand c'est parti, ça va commencer pour 30 secondes. Hop. Allez, on essaie de garder une bonne posture, de mettre un peu de rythme, de dynamisme. Voilà, fléchis un petit peu sur les appuis quand on arrive avec les jambes écartées. Allez, on essaie de mettre un peu de rythme, à brûler un peu de calories avec tout ce qu'on mange. Allez. Allez, on tient. Allez, super. Prochain exercice, ça va être les pompes. Ici, ceux qui ont plus de mal, et c'est pas grave, on se met sur les genoux. On pense bien à posture droite. Et on essaie de venir faire toucher poitrine à chaque fois. Allez, c'est parti. Pensez à bien souffler dans l'effort. J'inspire, je souffle.
Allez, 10 secondes, on lâche pas. 8 secondes. Super. Prochain exercice, squat extension. Donc, je vais venir me fléchir ici et sauter. Voilà. Les genoux dépassent jamais ma pointe de pied. 3 secondes, c'est parti. Allez, top. J'essaie d'avoir une bonne posture, dos bien droit, les genoux qui dépassent pas les pointes de pied. Hop. J'essaie de m'aider de mes mains pour équilibrer et de regarder toujours devant moi. Allez, j'oxygène, je souffle. Super. Bon, ça commence un peu à chauffer. Allez, prochain. Gainage dynamique. Allez. Ici, hop. On souffle bien pendant l'effort, on oxygène. Super. On va passer gainage chaise. Donc pareil, je vais me mettre posture ici, m'asseoir sur l'arrière et vraiment essayer de garder cette position là. 30 secondes. Allez, c'est parti. Allez. Je tiens, j'essaie de garder le dos droit, de regarder droit devant moi, de venir garder la position de gainage. Allez, allez, on tient. Vous allez voir, ça va faire du bien aux cuisses, aux quadriceps. Allez, on souffle. Pensez à bien oxygéner pendant l'effort. Hop, super. Allez. Maintenant, on va partir sur un gainage dynamique. Jambes et bras opposés. Hop, ici, j'allonge une jambe, un bras et l'opposé. Je tiens 2 secondes par position. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. J'oublie pas de souffler. Allez, on tient. On essaie de garder une posture bien droite. Contracter les fessiers, les abdos. Dans chaque exercice, on va passer aux pompes japonaises. On en a fait un peu l'autre jour. C'est des pompes où je fais un peu la vague. Je pars un peu haut. J'essaie de descendre et de ramener mon corps ici. Allez, c'est parti. 1. Je souffle bien pendant mon effort. J'oxygène à la remontée, je souffle à la descente. Allez, on lâche pas. Ouais, super. Allez, on a fait presque la moitié. On va passer à abdos crunch. Allez, on prend le luxe, on met le tapis. Ici, hop, je vais venir mettre les mains ici. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, c'est parti. Allez, on essaye de mettre du rythme. On souffle. On essaye de bien décoller le haut du dos. De mettre un bon coup de rein à chaque fois pour se relever. Hop, super. On va passer aux burpees. Non, boxeur. Burpees, c'est pour après. Alors, boxing. Je lève les genoux et je mets des coups ici. Allez, c'est parti. Allez, j'essaie de faire monter de genoux
dynamique, explosif. Je suis où j'accélère. Allez. À chaque fois que je mets un coup, allez. J'expire, je souffle. Allez, je vois du rythme. Allez. Il nous reste encore 20 jours de confinement. Allez. On souffle. On expire. Ouais, super. On va passer à Mountain Climber. Je suis ici. Main au sol. Position un peu de gainage. Là, je vais venir faire des accélérations sur place. Mon genou doit raser le sol. J'essaye de faire comme si j'étais en position de starting en attelé. Allez. Allez, on lâche pas, on lâche pas. Ouais, super. Allez, commence à transpirer un peu. Fente alternée. Ouais, si ça a glissé. Je vais le faire là. Fente alternée. Hop. Ouais. Ceux qui veulent, vous pouvez les faire sauter. Ici. Posture droite. Voilà, je descends. Bien droit sur ma posture. Sur mes appuis. Un coup jambe gauche, un coup jambe droite. Ceux qui ont des problèmes de genoux, on évite, on s'adapte. Et on souffle, toujours. Et... Oh. Coordination, position comme les Mountain Climber, contraction des abdos. Je vais ramener mes jambes. Voilà. Ici. Hop. Là, je souffle. J'essaie de coordonner mon corps. Yeah. Ah, c'est bientôt fini. Maintenant on va faire jumping jack de face. Donc au lieu de faire comme ça, je vais venir tendre les bras devant comme si je venais attraper quelque chose et écarter les jambes. Je commence à transpirer un peu, hein. Allez, on garde le rythme et on s'arrache. Allez. Allez, 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 on s'accroche. 8 secondes. On souffle. Toujours posture droite. Yeah. On va passer au pompe araignée. Ah, je vous dis pas, ça va être terrible. Donc, une main décalée. Je viens faire une pompe. Hop, et je bascule. Ah, la musique nous a lâché. C'est pas grave. Hop. Allez. On souffle. Ah. Ah. Dernier exercice. Tac, 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 tac. Burpees simple. C'est parti. Allez. 8 secondes, allez, allez, allez. Fais un max de rep. Yeah. C'est fini. Ah.
On respire. On s'hydrate. Bah écoutez, j'espère que vous avez transpiré de votre côté. C'était bien agréable de faire cette petite séance avec vous. N'oubliez pas, restez chez vous. Un grand merci à notre personnel soignant. Alors moi, j'ai une maman qui est infirmière, donc je sais à quel point cette période a été difficile pour eux. Donc merci à eux. N'oubliez pas, buvez beaucoup d'eau. Étirez-vous. Je vais essayer de mettre un tuto étirement en commentaire de la séance en dessous, fait par un kiné. Donc voilà, prenez soin de vous. Et à bientôt, j'espère. Alors au revoir.